Savard Gagnon. Alors c'était elle qui était infectée par un virus il y a deux jours, maintenant c'est lui qui souffre parce que ce virus de Hong Kong, je dois dire, a envahi la ville de Nagano et il y en a plusieurs qui en sont victimes. Et je trouve important de signaler qu'ils sont les seuls au Canada à détenir les trois titres canadiens dans les diverses catégories novice, junior et senior. Ils ont un concept de programme libre extraordinaire. Il s'agit de la célèbre musique du film « Autant l'emporte le vent ». Excellent saut lancé! Triple boucle piqué côte à côte. Trois rotations. La chute. Paul Martini leur a fait découvrir une nouvelle dimension dans leur patinage, utiliser davantage les genoux. Ça donne un effet extraordinaire. Seul. Ah! Ça ne va pas, hein? Non, ça ne va vraiment pas. Non, ils sont vraiment pas à l'aise. Ils sont malades, ces gens-là. Ils sont très malades. Ils sont épuisés. C'est malheureux. Je crois qu'ils vont s'arrêter. Oui. Je pense qu'ils ne seront pas capables de continuer jusqu'à la fin. Alors, beaucoup d'encouragement de la part du public. Ils veulent continuer. Double sac-out. Luc n'a exécuté qu'un simple. Espérant qu'ils vont reprendre confiance. Triple boucle piqué lancé. Oui! Atterri, c'est excellent! Quel mérite, hein? Ah, quel courage! Une bonne rotation. Quelle récupération!
Alors coupez le souffle. Ah, c'est déchirant de voir ce qui... Bon, si vous ne les connaissez pas, là, ben, ce que vous avez eu ce soir, c'est pas ça, hein. Ah non. C'est pas ça, hein. Mais ah le courage dont ils ont fait preuve, elle, malade depuis plusieurs jours, lui malade à son tour, on sait comment les... C'est un programme long, ça, c'est 4 minutes 30 secondes, où l'énergie, là, est sapée complètement. Ce qui est le plus difficile pour eux, c'est de retrouver le centre de l'équilibre. Quand tu fais de la fièvre comme ça, c'est très compliqué. Mais au niveau du triple boucle, le piqué lancé, voyez la hauteur, le contrôle et comment elle s'accroche à l'atterrissage. C'est parfait, c'est excellent. Ils ont réussi des éléments très compliqués, même de niveau supérieur à plusieurs coupes que nous avons vues auparavant. Qu'ils aient choisi de poursuivre alors qu'on croyait qu'ils allaient abandonner à mi-chemin, c'était... franchement courageux. Luc me mentionnait ce matin qu'il tenait à tout prix à réaliser ce rêve olympique. Ouais. Et il se souvenait de Sébastien Britton en 94 qui avait des problèmes de respiration et qui a donné le maximum de lui-même jusqu'à la fin. Il s'est dit, je suis capable, je vais essayer. Quelle malchance hein, de être victime... d'un virus comme ça, à un moment qu'on attend depuis des mois, des années, pour lequel on se prépare. Oui. Mais en même temps, OK, les notes seront peut-être pas très fortes, mais il reste que... Moi, je leur donnerais un 6 sur toute la ligne, serait-ce que pour le courage, la ténacité, la volonté. Oui. Moi, je vous dis qu'ils ont vraiment démontré non seulement du courage et de la détermination, mais aussi que techniquement, ils étaient capables de démontrer leur amélioration. Ouais. Ben, les championnats du monde s'en viennent, hein, à Minneapolis. Oui. Ils auront l'occasion de se reprendre parce que je peux dire, enfin, je souhaite que la grippe, ça ne dure pas longtemps, et qu'ils reprendront leur force, leur courage. Et vous savez que plusieurs athlètes ont attrapé ce virus de la grippe ici, plusieurs patineurs. Il y en a plusieurs au sein de notre équipe de production, nous qui en sommes victimes, hein, ça court. Alors, les juges hésitent un peu. Ils auront quand même de bonnes notes, ça, je peux vous l'assurer. Vous êtes juge, Benoît, ça doit arriver pas souvent. Je sais qu'un couple s'arrête comme ça en plein milieu d'une performance parce que l'énergie n'y est plus. Et au bout de 10 ou 12 secondes, il y a un deuxième souffle qui arrive et là, vous recommencez. Effectivement, s'ils n'avaient pas complété le programme, ce qui aurait été désolant, c'est qu'ils n'auraient pas obtenu aucune note. Aucune note, voilà. Ben voilà. Alors que maintenant, ils ont quand même obtenu des 4,7, des 4,6, oui, avec un arrêt qui est quand même très bien. Malheureusement, au niveau de la présentation, l'arrêt qu'ils ont eu va leur causer des problèmes, ça c'est certain. Mais même à ça, certains juges, ils auront la sympathie de certains juges. C'est pas si mauvais. Oui. C'est même mieux que pour l'aspect technique. Alors, ils sont septièmes. Bravo, moi je dis bravo. Oui. Dans les circonstances, là, c'est héroïque. Oui. Rien de moins. C'est très bien. Oublions les notes pour le moment. Ouais. Et